Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Voilà, vous voyez encore votre même serviteur, le denré, des bambous ici, là et maintenant pour l'émission Fafa qui commence maintenant. Dédicace spéciale à celui-là qu'on appelle Kiki Benzene, le milliardaire. Ah, salut mon frère, j'espère que tu vas bien. C'est super, big up à toi. Alors, vous avez vu le clip qui est déjà passé, hein? Donc vous avez remarqué que c'est pas petit quelqu'un qui est avec moi, c'est pas petite femme. Sandia Chouchou, ah, l'attraper c'est dur, ah, c'est compliqué pour l'attraper, mais je l'ai attrapé cette fois-ci. Allez. Voilà Sandia, voilà ma mère. C'est comment? Ça va super bien chez toi. Ouais, ça va. Voilà. Dieu merci. Moulo. On gère. Ouais. Dieu merci. Elle est rien tant ma cosa. Oh, ça continue de les fatiguer. C'est super. Mesdames et messieurs, on est avec Sandia Chouchou, artiste, danseuse, chorégraphe, chanteuse, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, aujourd'hui, voilà, elle fait une carrière solo et tout. On va parler d'elle, on va parler de sa vie, on va parler de tout. Et de tout, c'est pas parce que ça va réveiller les vieux trucs. Voilà, c'est comme ça. Alors Sandia, Abidjan, te plaît. Je te vois venir. En tout cas, ça va par la grâce de Dieu. C'est que si je t'attends ici, faut bien te comporter. Hein? Okay. On me menace tous les jours. Oh, vraiment. Alors, Sandia, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs? Parce que forcément, il y a des gens qui te découvrent aujourd'hui. Si. Est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs qui te regardent ici et maintenant? Si. Salut tout le monde, moi, c'est Sandia Chouchou, artiste coupé, décalé, chorégraphe. Voilà, c'est moi tout coup quoi, Sandia Chouchou. Sandia Chouchou, ouais, là nous sommes dans un local, un ami à moi qu'on appelle Karim. Voilà, c'est le London Club, c'est la famille, c'est comme ça. Alors, Sandia, dis-moi, d'où te vient ce talent de danseuse? Parce que quand tu danses, on sent que tu ne forces pas, genre, tu es né avec ou bon, je sais pas, tu as appris ça quelque part ou alors c'est comment? Non, je n'ai pas appris, je suis né avec. C'est un don de mon papa en fait. Ah, voilà. Mon papa était un danseur. D'accord. Donc, danseur même. Danseur même, oui. Oui. Donc j'ai pris ça chez lui. Il est connu? Non. Ah d'accord. Il n'est pas connu? Non, il n'est pas connu, non. Ah d'accord. Super. Alors Sandia, dis-moi, comment est-ce que tu arrives à la danse? C'est-à-dire, tu dansais déjà à la maison, dans ta chambre, ta douche et tout. Maintenant, comment est-ce que tu arrives à la danse sous le feu des projecteurs? Oui, c'était en 2007. Je suis venue à Abidjan. En fait, je venais à Abidjan, je venais faire les vacances. Et puis une fois, à Daloa. Je suis née et j'ai grandi à Daloa. Ah, d'accord. Voilà, donc je suis venue en 2007 et je suis restée là définitivement parce que j'ai dit que moi aussi je veux danser. Je veux passer à l'atelier moi aussi. Uh-huh. Parce que je voyais la petite soeur de Kalou dire Tania. Ouais. Voilà, je la voyais danser. Elle dit, ah, mais celle-là, moi je vais faire comme elle aussi, je vais danser. C'est comme ça que je suis venue à Abidjan. Et puis, j'ai essayé de me coller à d'autres filles qui étaient déjà dans la danse. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est parti. D'accord, donc c'est comme ça que tu as commencé à te faire connaître dans le milieu. Un peu, oui. D'accord, mais moi personnellement, moi je t'ai connu avec Beno. Si. Tu vois, mais est-ce que avant Beno, est-ce que tu as dansé avec des artistes avant même? Oui, j'ai dansé avec beaucoup d'artistes. J'ai dansé avec Jean-Jacques Kwame, le Moula, Afu Keita, j'ai fait le concert de Kana Bongo Man, j'ai fait le clip de Jim Martinez, les patrons. Ouais, beaucoup, mais j'aime pas oublier. Sinon, j'ai dansé avec beaucoup d'artistes. J'étais une gomboïste en fait. Ouais. Voilà. Un peu partout. C'est ça. D'accord, super. Mais comment se fait ta rencontre avec Serge Benoît? Parce que c'est Serge Benoît qui t'a révélé en fait. Si. C'est à partir de lui, on a commencé à. Mais non, même danse un niveau déjà là. Joli, un peu en pim comme ça d'une manière là. Oh, c'est un beau ça là. Hein? C'est par le biais de Tania. D'accord. C'était un jour, Beno avait besoin de 4 danseuses. En ce moment, il y avait déjà Zo. Uh-huh. Et puis Annick. Non, il n'y avait pas Annick en ce moment. Il y avait Zota, il y avait El Tania, une autre Yo-Yo qui vit aux États-Unis aujourd'hui. Uh-huh. Et puis, il voulait une quatrième. Uh-huh. En ce moment, il dansait déjà avec Annick, mais il avait en dehors stoppé un truc comme ça. Moi, je ne sais pas. Uh-huh. C'est comme ça, nous appelons entre 4 puis on a commencé à. En fait, on ne dansait pas avec lui en tant qu'il on était là comme des gomboïs, en fait. D'accord. Voilà. On a dans quel coup, il dit bon. Toi, tu restes à côté de moi. Oui, c'est à cause du travail bien fait. Je suis une fille qui est ponctuelle. J'aime ce que je fais. Donc, quand je suis dedans, je suis à fond. Et c'est que, il pense que c'est ce qu'il a aimé. Mmh. Voilà quoi. Et puis, il m'a demandé de danser que pour lui seul. Mmh,
D'accord. Voilà, je suis plus. Bien t'es payé là, tu partais plus dans le Gombo. Ouais, c'est pas bien payé, mais quand tu aimes ce que tu fais, l'argent vient après. Ah bon, c'est voilà. Comme une mousse. Justement, et puis on tournait beaucoup, voilà, c'est ça. D'accord, super, super. Super, d'accord, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà. Donc on pose les vraies questions maintenant. Et faut te calmer. Alors, avec Benoît, c'était cool et tout ça, machin, mais. Qu'est-ce qui a créé la séparation avec Benoît? Puisque tout le monde, là, franchement dit, les fans de Benoît t'appréciaient, quoi. C'est. Les gens aimaient bien ta façon de danser et tout. Benoît même t'appréciait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Puis tu as quitté la Benoît-mania. Non, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu, non. C'est juste un contrat qu'il m'a donné et qui ne me plaisait pas. Il m'a dit de seulement signer. Je lui ai dit ça ne m'arrange pas. Il m'a dit si ça ne m'arrange pas. De ne pas signer, donc j'ai pas signé et c'est tout. Il n'y a pas eu de palabre, non. Juste une histoire de contrat, c'est tout. T'es sûr, ça? Oui. Tu t'es préparé à inventer une histoire pour les derniers? Non, j'ai toujours mon contrat. Malheureusement, je ne suis pas venu avec ça. J'ai toujours mon contrat. Ah, non, nous, c'est pas ce qu'on a appris. Hein. Ah ouais? Nous, on a appris que, voilà, Sandia Chouchou, voilà, il y a eu un souci avec Benoît. Voilà, elle a voulu partir, elle a entraîné Annick dans la vague. C'est-à-dire, elle a dit à Annick, tu as lu la. Et nous, j'ai mal, on n'a pas quitté ici. Et c'est pour ça qu'Annick t'a suivi. Donc, Annick, elle ne réfléchit pas alors. Non. Donc, moi, je parle pour Annick, une grande fille. Mais puisque comme vous ça. Étiez ensemble, vous étiez des copines. Donc, pourquoi hein? J'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas dit à Zozo, Benoît nous, j'ai mal, et puis Zozo nous a pas suivi? Parce que vous êtes en train de me dire qu'Annick n'est pas. Non, pas du elle tout. Elle n'a pas non, de mots, elle n'a pas de. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai appris, moi personnellement, j'ai appris que tu as proposé à Zota de partir et Zota dit elle va pas. Ici. Ouh, mon œil. Ah ouais, que moi j'ai proposé à Zota. Oui. Ils t'ont menti. Tranquille. Il n'y a pas eu de débat de moi et Zota en fait. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu quelque chose. Et il paraît que bon, Annick, elle était là avant Zota. Nous tous on a vu. Annick était là avant même que Zota n'arrive. Zota est arrivé et tout. Bon, après, tout ça, mais. Bah, nous, on a appris qu'au sein même des danseuses de Benoît, il avait commencé à avoir la jalousie. Ah ouais. Lui, il avait la jalousie commençait à venir. Voilà, parce que Zota était coupé. On a appris que vous n'étiez pas contente parce que c'est Zota qui était mise en avant. Que pourquoi c'est Zota que tout le monde connaît, pourquoi c'est Zota qu'on met en avant. Même dans les clips, c'est elle qui a montré plus et tout ça. C'est tout ça qui vous a énervé. Vous avez décidé de partir. Ça, c'est le vrai point qu'elle a. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Oui. Ah, elles étaient là-bas, alors. Elles étaient avec nous au moment où on dansait avec Benoît. Vous savez qu'il y a toujours les ondits et ça va toujours être comme ça. Moi, je suis venu trouver les ondits dans le showbiz. Je vais quitter le showbiz pour laisser les ondits, en fait. Il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de jalousie. Je ne sais même pas pourquoi je vais être jalouse de ma collègue. Moi, je suis une fille, j'ai mes principes. Je suis une fille de caractère. Voilà, moi, j'ai mes objectifs. Justement. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais être jalouse de ma collègue. Oh, non, je ne suis pas comme ça. Si moi, je suis jalouse, ça sera dans mon couple. Mm-hmm. Sinon, je suis jalouse de ma collègue ou bien une amie. Moi, je ne suis pas comme ça, franchement. Mm-hmm. C'est juste une histoire de contrat. Il a voulu que je signe. J'ai refusé parce que ça ne m'arrangeait pas. Donc, j'ai refusé de signer. Et c'est comme ça. Mm-hmm. Sinon, vous n'avez pas me dit qu'Annick n'est pas intelligente. Annick, ce n'est pas une petite fille. Ce n'est pas moi, Sandia, qui vais dire Annick, viens ici. Donc, si je dis Annick, il faut te pendre. Elle va se pendre. Quand même. Réfléchissons avant de parler. Ah bon? Bah oui. Attends, tu commences à être énervé. Non, je ne suis pas énervé, je suis inspiré. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu es avec Benoît? Ça marche pour Benoît. Il a les gombos, il voyage et tout. Toi-même, tu sens que tu es avec un artiste qui tourne. Et un matin comme ça, tu décides de partir parce qu'on t'a proposé un contrat. Pourquoi tu n'as pas négocié? Tu n'as pas dit à Benoît, non, bon, écoute, cette partie-là ne me plaît pas. Cette clause ne me plaît pas. Est-ce qu'on ne peut pas négocier? Si, il a essayé de négocier. Il m'a dit que. Genre, c'est comme si on te donne un contrat et puis on te dit soit tu signes, soit tu ne signes pas. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas discutable. Je considère quand tu me dis que ce n'est pas discutable, c'est que c'est parce que moi, tu t'en fous. Sinon, quand quelqu'un travaille bien pour toi et quand tu apprécies réellement la personne, quand tu lui donnes un contrat, elle te dit non, vie, parce que moi, on l'appelait vie. Vie, ça. Et puis de dire non, que ce n'est pas discutable. Comment on l'appelle? C'est pas discutable, c'est tout. Sinon, il n'y a pas eu d'histoire. Donc, je suis en palabre avec personne, s'il vous plaît. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez entendu. Vous savez, Ramzi le Dahiré, moi, je suis là pour éclaircir les choses. Les gens pensent que je suis là pour fatiguer les gens. Mais non, il faut éclaircir les choses. Parce que les gens disent que Sandia Chouchou a quitté Benoît par jalousie de Zota. Ah ouais? Voilà.
Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que tu fais ta carrière solo, ça va et tout, tout, tout. Mais nous, on avait vu un duo, c'est-à-dire un groupe même que tu avais formé avec Annick et tout ça. Bon, Annick, que tu as poussé à quitter Beno, bon, c'est pas moi qui dis. Non, il était, voilà. T'en veux même pas. Voilà, donc, vous avez fait votre groupe, vous avez fait un vrai son qui commençait à monter. Du coup, vous êtes séparés. Bon, qu'est-ce que vous a séparé? Tu sais que c'est une histoire de femme. Toi-même, tout à l'heure, on était là-bas. Là. Mm-hmm. Je vais te mettre, toi, mais il y a mettre ton cul dehors aussi. Mm-hmm. Tu sais pas, c'est toi, je ne sais pas. Tout à l'heure, on était assis là, avant mm-hmm. l'émission. Tu m'as dit que tu produis deux jeunes là, mm-hmm. rappeurs. Ils ont fait pas là, mais puis ils se sont séparés. Pourtant, tu as produit deux singles, c'est ça? Mm-hmm. C'est le métier. Puis nous, on est femmes. Il n'y a pas eu de rien te frapper, mais je suis jalouse. Non, ça s'est fait en fait naturellement. D'autres disent non, que tu as poussé la fille, mm-hmm. elle a laissé Beno. Mais Annick est stupide. Quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous traitez Annick de bête. Toi, tu as chanté avec Annick, c'est ta soeur et tout. Oui, c'est ma copine. Pourquoi Annick a quitté Beno? Le jour tu vois Annick, il faut lui demander. Et ça te répond, viens me répondre, viens me dire ça, s'il te plaît. Hein? Ça ne peut pas répondre pour moi. Maintenant, les gens me connaissent. Je vais changer de stratégie. On te maintenant. Connaît maintenant. Je vais changer de stratégie. Mais pourquoi? Parce que nous, on veut savoir pourquoi vous êtes séparés. Mais pourquoi tu veux qu'il y ait un fond? Il n'y a pas de fond. Annick, c'est ma copine. Elle restera toujours ma copine. Mais sinon, un temps, vous voyez dans les bars, vous ne vous saluez pas. Qui t'a dit? On t'a menti. Même toi, tu étais là. On n'était pas là. Alors, c'est qu'on t'a menti. Il n'y a pas un coin où moi, je vais voir Annick. Je ne veux pas la saluer. Où il n'y a pas un con où Annick va moi me voir et puis elle va me saluer. Non, nous, ce qu'on a appris, c'est que vous avez fait pas là, mon frère. On sait pas. Et puis il n'y a pas de gratinés sur moi. On ne sait pas déchirer. Tu sais qu'en quoi il va pas dire pas là, ce n'est pas forcément le coup de poing. Il dit laisse les gens parler. Ils ont toujours de quoi. Et ils ne savent rien, monsieur. Ils inventent toujours. Tout ce que vous voyez sur le net, tout n'est pas la vérité. Hein. Tout n'est pas la vérité. Méfiez-vous des apparences. Annick, c'est ma copine. Le reste, là, basta, quoi, franchement. D'accord. Donc, actuellement, vos rapports sont. Tranquille. Aïe, il dit c'est ma CP, c'est ma copine. Il n'y a pas de discours, personne. Producteur, mais à cause d'un garçon, tout ça. Moi, je n'avais jamais fait palabre avec une collègue ou bien une femme à cause des garçons, sauf mon mari qui va me mettre la bague. Sinon, jamais. Ce n'est pas dans mon tempérament. Je suis une fille tellement directe. Voilà pourquoi on trouve que souvent je suis gonflée, parce que je suis directe. J'ai un caractère tellement fort que souvent, moi-même, ça me dépasse. Donc, je me vois même pas en train de me battre pour un homme. Eh oh, t'as ce truc, c'est bidon quoi. C'est pas ton mari, rien. Non, jamais de la vie. D'accord. Jamais. D'accord. Voilà. Sinon, que, voilà, un temps, vous devez partir, vous devez voyager, aller en Europe et tout ça. Et mm-hmm. tout ça. On n'a pas eu le visa, c'est tout. Il paraît qu'elle a eu le visa, mais toi, tu n'as pas eu le visa. Elle a eu le visa, et puis c'est tout récemment, elle est partie là. Les gens, ils réfléchissent pas. Hein. Elle a eu le visa, et puis c'est tout récemment. Si elle a vu que toi, tu n'as pas eu papa, dis ça. Donc, elle est restée. Oui. Bravo à vous. En tout cas, c'est le showbiz. Ah, c'est super. En tout cas, je passe un moment agréable avec quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Bah, c'est important. Mesdames et messieurs, on est toujours avec Sandia Chouchou. Voici une plage musicale et on revient. Fafa. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cette très belle plage musicale de celle qu'on appelle Sandia Chouchou. Toujours. Alors Sandia, c'est bon, tu es inspiré, tu es sain. Oui. Ah, c'est super. Alors, dis-moi, après la séparation d'avec Annick et tout, bon, tu dis qu'il n'y a rien, mais moi je vais recevoir Annick pour lui demander. Si, si. Elle va dire la vérité. Il n'y a pas de souci. Va dire la vérité. Après, tu m'informes, s'il te plaît. D'accord. Alors, dis-moi, après ça, quand vous êtes séparés et tout, tu as commencé ta carrière. Dis-moi, si, si. comment est-ce que dans les débuts, quand tu as commencé la carrière solo, comment est-ce que ça a été? Ouais, c'était difficile, parce que tout rien n'est facile sur cette terre. C'était difficile au fur et à mesure. Pour l'instant, là, ça commence à aller, ça va. Un peu. D'accord, mais d'ici là, ça sent pas combien de singles que tu as sortis jusqu'à présent? Ça fait 5, non? 4 ou 5 en tout cas. 4 ou 5 singles. Laisse-moi me rappeler, j'ai fait un feat avec Kedjibara, mm-hmm. avec Arafat, mm-hmm. avec Mejé la FIFA et Renta Mako, ça fait 4. Oui, d'accord. C'est ça. D'accord. Alors, tu t'auto-produis un certain nombre. Oui. Même si j'ai des coups de main qui viennent de part et d'autre. Ah oui, mais c'est des gens qui sont dans. Bien sûr, on me donne des coups de main. Quel genre de coups de bon. Toi, tu vas prendre un faux coup, hein. Hey!
Je demandais. Il va prendre un fou coup. J'ai demandé quel genre de coup de main. Il dit quel genre de coup de main. Mais attends, tu vas prendre un fou coup, Ramzi. Hé, moi, c'est Sandra Chouchou. Hein. Ah. Non, on ne va pas casser la popo. Quand tu ne reçois pas un coup de main, tu reçois des coups de main. Oui, des coups de main. Des gens qui me soutiennent, en fait. D'accord. Des gens qui aiment ce que je fais. Non, voilà. Parce que tu ne peux pas dire le nom, j'en ai fait des non, 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 non. En fait, j'ai seulement dit le nom de mon papa, Dr Kanga, qui me donne un coup de main dans l'ombre. C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir. Voilà, je le vois. Et c'est lui qui m'a aidé pour le son Renta Makosa, rentrer en studio, le clip. Dr Kanga, le pharmacien, hein? Bien sûr. Ah oui, ça c'est mon frère, Dr Kanga. Monsieur Brianka. Oui. C'est la famille. Je sois mon big up. Merci encore, merci pour tout. Sandia te dit merci pour tout ce que tu fais. Maintenant, après lui, il y a qui encore? Il y a des gens, mais je ne dis pas leur nom. C'est les gens qui non, ils veulent pas que je donne leur nom, donc je ne donne pas leur nom. D'accord. Oui. Parce que ça, après, c'est mal interprété. Ça, c'est eux qui voient. Ils ne donnent pas de nom. Sandia, bon, elle fait ci, là, c'est pourquoi on fait ça. Bon. Ils sont libres de penser, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me touche pas. Je sais ce que je veux, je sais ce que je suis. Donc, le reste, je m'en bats les couilles, quoi. D'accord. Franchement. D'accord. Mais Sandia, est-ce que souvent, tu n'as pas peur? Bon, quand je dis peur, je veux dire, est-ce que souvent, tu ne te dis pas, mais est-ce que je ne vais pas essayer un peu de voir un peu mon caractère bien trempé, mm-hmm. voilà, pour que les gens... Parce que dans le milieu, on dit que ouais, Sandia, elle est impolie, elle parle mal, elle est gonflée. Ah ouais. Sandia, c'est ci, Sandia, c'est là. Je sais que tu as déjà entendu ça. On dit Sandia est gonflée, on dit jamais que Sandia est impolie, on dit pas que Sandia parle mal. Ceux qui disent ça, là, c'est eux-mêmes qui sont impolis, en fait. Parce que moi, j'ai jamais parlé mal à quelqu'un dans le showbiz. Moi, personnellement, toi, jamais. Moi, j'ai toujours le respect. Et j'ai... Avec la plupart des artistes venus de Côte d'Ivoire, je m'entends parfaitement avec eux. C'est les gens qui me donnent un coup de main sans rien prendre. Tu penses que si j'étais impoli, mais si ils allaient le faire? Jamais. Voilà, donc je suis dur de caractère. Mais impoli, il n'y a pas le mal, jamais. Ah, donc tu n'es pas impoli, c'est ça? Non, je ne suis pas impoli. Très loin de là, même. Je suis une fille respectueuse. Mm-hmm. En tout cas, quand tu me respectes, je te respecte. Ouais. Tranquille, je ne suis pas impoli. Sandia, mm-hmm. tu es bêté, non? Non, non, je suis Jimini. Mais tu es Mélin bêté ou Mélin gourou? Non, non, je suis Jimmy. C'est Jimmy là qui est comme ça. Je suis du caractère, mais je ne suis pas par la brise. Ah, voilà, c'est ça. Donc tu as dit quoi? Ok, je suis Sonia Chouchou, quoi. Elle est trop forte! Elle est trop forte! Elle est bien place, le truc. Parce que je te connais. Alors, Sandia, dis-moi, donc comme je disais, on parlait de ta carrière, voilà, tu as commencé à sortir les sons et tout, c'était un peu difficile, les gens te soutiennent. Oui, et tout, oui, tout. Oui. Voilà, aujourd'hui, là, quel bilan est-ce que tu fais de... Bon, quel jeune bilan tu fais de ta jeune carrière solo? Je dirais que je suis partie de rien et je vais devenir quelqu'un. D'accord. Je ne suis pas encore quelqu'un, mais je suis en route, Inch'Allah, je vais y arriver. Annick est retournée avec Serge Beno. Ah ouais, elle danse pour lui? Elle ne danse pas pour lui, mais elle est dans la Benomania. Elle chante toujours, non? Elle chante toujours. Donc elle n'est pas retenue avec Serge Beno. C'est lui qui l'a produit. Ok. Coucou à vous. Gros bisous. Voilà. Toi qui as été dans la Benomania, voilà, aujourd'hui, bon, elle est retenue avec Serge Beno, elle chante, Beno l'a produit et tout. Est-ce que si tu n'as pas un pincement au cœur par rapport à ça, est-ce que tu ne regrettes pas un peu? Si, je regrettais il y a longtemps, ouais. J'étais là-bas. Mais tranquille, quand tu regrettes une chose, tu essaies de repartir là où tu as quitté. Je ne regrette rien. Si je regrettais il y a longtemps, j'étais là-bas. D'accord. Donc, tu regrettes rien. C'est pourquoi toi aussi, tu n'as pas demandé pardon. Demander pardon pour quoi? Pardon à ce que tu demandes pardon quand tu te reproches quelque chose, non? Je ne me reproche rien. Je demande pardon pourquoi alors? Parce que, bon, on dit que c'est toi qui as divisé la Benomania. Tu n'as pas dit on dit. Est-ce que c'est moi qui ai fait réellement? La division au sein de la Benomania. Père à leur âme. Que Dieu vous pardonne. Vous qui inventez les choses, que Dieu vous pardonne. Sandia Chouchou, c'est la meilleure. Sachez que la vérité va triompher. Si, si. Alors, Sandia, dis-moi, voilà. Bon, aujourd'hui, on parle. Là, maintenant, on va parler de ta carrière. Voilà. Oui. Tu es en train de décoller petit à petit. Oui, oui. Et tout. Mais avant ça, tu vois, là, moi, j'ai vu un post sur Facebook où tu disais que tu es sorti avec. Où je disais. Oui, où tu as dit. Sur ma page. Non, pas sur ta page. Ah, je disais où alors? On dit Sandia Chouchou. Mais faut dire, on dit. Fini d'abord. Mais pourquoi tu dis pas on dit, tu dis où tu disais? Oui. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Ah, mais c'est moi qui ai écrit? Ils n'ont pas publié, tu peux pas me dire qu'ils ont publié sans ta permission? Ils ont publié sans ma permission? C'est parce que c'est le truc que moi je ne prends pas au sérieux. Non. Je sais ce que je veux, je sais ce que je suis. Mm-hmm. Voilà, donc non, on c'est peut pas dire. Toi qui a dit que tu es sorti c'est avec moi un, qui artiste. A dit de... un artiste, c'est mm-hmm. coupé de calé que tu dis pas son nom. Coupé de calé même plus. Donc j'ai précisé même. Yeah. C'est pas moi.
Ça va toi. Mm-hmm. Donc tu n'as pas sorti un artiste coupé décalé. Je suis même pas sorti avec un artiste coupé décalé. J'ai mm-hmm. de bonnes relations mm-hmm. avec les artistes du coupé décalé. Des bons vieux pères, de bonnes vieilles mères. Voilà Arafat, Kedjevara, eux tous. J'ai même pas de problème avec quelqu'un. Et c'est des gens qui me soutiennent. Donc tu n'as pas eu ton gars parmi eux. Non, je ne mets même pas ça dans ma tête. Je ne veux même pas un gars même dans le coupé des câlins. Pourquoi tu prêtes une relation avec un autre? Parce que c'est le showbiz. On est venu trouver ça comme ça. On va aller pour laisser ça comme ça. C'est le showbiz. Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Porté plainte pour quoi? Pourquoi on appelle ça porter? Ça n'a pas plainte. De sens pour moi. Parce que bon, ça c'est la diffamation. Ça c'est le problème. Si ça peut leur faire plaisir, basta quoi. Moi, ce n'est pas mon problème. Ça ne m'atteint pas, ça ne me fait rien. Je sais que je n'ai pas fait, pourquoi je vais me lamenter? Mm-hmm. C'est quand tu sais que tu as fait quelque chose, que tu sautes partout. Mais pourquoi me lamenter? Alors, c'est super. Alors, Sandia, dis-moi, là, tu as sorti ton dernier single qui commence à... Oui, le Renta Makosa. Le Renta Makosa. D'où est venue cette inspiration? Voilà, j'ai voulu faire la différence entre moi et les autres dames du groupe décalé. Je me suis dit, quand tous ont fait le même truc. Mais pourquoi faire forcément ce qu'elles font? Donc j'ai voulu mettre la différence avec le Renta Makosa, prendre un peu de bicoutier, de couper des galets pour donner la sauce que ça a donné. Et Dieu merci, et ça marche, par la grâce de Dieu. Dieu merci, ça marche. Alors Sandia, aujourd'hui, quel est le regard que tu portes sur la musique coupée des calés? Parce que d'aucuns disent que le coupé des calés est tombé et que tout ça, machin. Toi, en tant que faiseuse de coupé des calés, voilà, quel regard est-ce que tu portes sur le mouvement? Non, le coupé des calés n'est pas tombé. Moi, je pense qu'au contraire, ça s'améliore. Parce qu'avant, c'était beaucoup de bruit. Maintenant, c'est le vrai son. Il y a des mélodies, il y a des textes. Voilà, moi, je pense que ça s'améliore au fur et à mesure. Surtout avec la nouvelle génération. Ouais. Oui. Bon, quand tu dis surtout, là, donc tu veux dire quoi? Que la scène génération... Ah, il faut me déposer ici. Et ce mot était là. Ancienne génération, j'étais pas là-bas. Hein. Je parle de pour nous là, c'est que moi je sais. Pardon, faut me déposer ici. Je comprends pas. Mais Bramzi, pardon. Mm-hmm. Mais est-ce que tu es en de bons termes avec les autres faiseuses de couper décalé, Claude Bailly, Vita? Bien sûr. Même hier, j'étais à l'honneur au Shanghai, il y a la Congolaise qui est venue me soutenir. Ouais. C'est le couper décalé ou quoi? Ouais. Voilà, c'est tranquille. C'est super. Alors Sandia, ta carrière, ça, en tout cas, ça a bien décollé parce qu'on te voit. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Tout ça, un temps, on t'a même vu à Dubaï, tout ça. Si. Bien même. C'était un très combat. Oh, on dit Dubaï. Ramasser les sous et puis tu reviens au pays. Ouais. Tranquille. Non, là, tu es bouée comme ça. Non, je ne suis pas bouée comme je veux, mais ça fait aller. On se gère, ça fait aller, voilà. C'est super. Alors Sandia, dis-moi. Voilà, aujourd'hui, voilà, comme toi-même tu as dit, le mouvement n'est pas tombé et tout. Mais toi, quelle idée est-ce que toi tu peux. Quelle idée tu peux apporter pour que tout un chacun essaie de faire de sorte à ce que le coupé décalé traverse encore plus les frontières? Oui, on doit seulement se donner des coups de main. Ceux qui étaient là auparavant, exemple Arafat, Beno, Kedjevara et tout, voilà, il faut seulement nous donner un coup de main, nous les nouveaux. Mm-hmm. Nous, on vient d'arriver, la nouvelle génération, faire des feats, voilà, on s'entend, faire des associations, ouais. Si quelque chose ne va pas, ouais, comment faire pour... Justement, pour que le coupé décalé traverse les frontières de l'Afrique. Mm-hmm. Parce que nous sommes plus en Afrique qu'en Europe, tu vois. Alors, Sandia Chou, voilà, comme toi-même tu dis, il faut la solidarité. Parce que... On se plaint trop, les gens se plaignent trop de couper des câlins. Si. Apparemment, ça s'est calmé, mais il y a moins de bruit. Il y a moins de bruit, voilà. Tout commence à bien se passer. Il faut seulement se donner un coup de main, voilà. D'accord. Pour qu'on dépasse les frontières, même de l'Afrique. Mmh. Qu'on soit international, quoi. Ouais, comme tout, comme les Nigériens, les Camerounais, voilà. Ouais, c'est important. C'est ça. C'est important. Alors, moi j'ai une question pour toi. Sandia Chouchou, en tant qu'une femme, tu sais que le milieu du showbiz en Afrique, c'est surtout une affaire d'hommes, c'est-à-dire surtout le coupé décalé, c'est beaucoup plus les hommes qui font cela. C'est en ça. Tant qu'une femme qui aujourd'hui n'a pas l'aide, une belle fille qui chante bien, qui danse bien, d'après le moment Tina Glamour, qui roule les reins sur le tabouret. Hein? Voilà, c'est quoi les difficultés qu'une artiste rencontre? Oh, il y a tout dans le showbiz, franchement, je ne sais pas si c'est partout, mais en Côte d'Ivoire, surtout dans le coupé décalé, il y a tout.
tu as de ces propositions indécentes. Quand tu refuses, on essaie de te bloquer par ci. Pour soi, tu demandes, tu viens voir un vieux père, ah, vieux père, si on donne un coup de main par rapport à mon clip, il te dit, mais toi, tu sais que moi, je te veux. C'est comment? Tant que tu ne donnes pas, il ne te donne pas l'argent. C'est un peu, il y a tout dans toutes les tentations. Il y a beaucoup de harcèlement, en fait. Trop. Trop même. Et c'est fatigant. Mm-hmm. Oui. Ils doivent arrêter ça maintenant, en 2019. Pour ton talent. Voilà. Bon, et ils voient autre chose. Talent, on te soutient pour ton talent. Pour ton talent. On ne te soutient pas pour le talent, mais pour le talent. Ça, c'est grave. On soutient les enfants pour le talent, soutient les artistes. On a besoin de ça, franchement. Ouais, donc, si on sait quoi. Si on sait. C'est important. Alors, en tout cas, ça c'est quelque chose. Il faut en parler parce que le harcèlement, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, une artiste qui chante bien, voilà, qui a du charisme et tout, elle vient te voir, toi, en tant qu'un vieux père. Si tu n'as pas mis les défauts du chéri, je ne veux pas t'aider. Il voilà. Faut aller loin. C'est clair. Et tu dis non, faut faire le gay avant qu'il fasse le gay. C'est pas comme ça. Alors, Sandia, bon, moi personnellement, j'estime que tu es dans la peau des grands maintenant. Ça dit que maintenant, il n'y a plus la fille. Dis non, la petite fille, la nouvelle artiste, là, maintenant, tu es une artiste. Tu commences à être une artiste confirmée. Je commence, voilà. Oui, je suis d'accord avec. Je commence. Non, à quand ton concert? Ah ben, c'est pour très bientôt. Actuellement, en tout cas, je me prépare. Je vais prendre le temps de bien me préparer. La voix et tout, comment se tenir sur scène, comment faire un concert, live, tout ça, tout. Même si c'est dans 10 ans ou dans 20 ans, en tout cas, j'ai bien me préparer pour ça et puis faire un vrai concert, quoi. D'accord. Tranquille. D'accord. Mais est-ce que actuellement, tu prépares un album ou tu veux continuer à faire un single? Non, j'irai toujours de single en single. D'accord. Oui. D'accord. Mais le coupé décalé, c'est le single. Mais c'est le coupé décalé. Le coupé décalé, c'est de single en single. Et quand tu es bien confirmé, peut-être, tu peux aller faire un album, deux albums, ça dépend. Donc pour le moment, j'irai de single en single. D'accord. Alors, comme toi-même tu dis, tu vas de single à single, c'est vrai que c'est par rapport à la piraterie et tout ça. Mmh. Mais est-ce que tu n'as pas peur que on te taxe d'artiste pas si talentueuse que ça? Non, du tout. Mon idée n'est même pas arrivée là-bas. C'est ce que moi j'ai décidé pour me faire une place. Mmh. Voir mes vieux pères, Arafat, KJ, ou bien Mix, ou bien de Bordeaux. Voilà, c'est pour qu'ils me donnent un coup de main. Puisque je veux m'imposer aussi dans le coupé décalé. Mmh. Voilà, donc il me donne un coup de main au fur et à mesure, je vais des singles en single. Et quand je suis imposé comme je veux maintenant, je vais faire mon album, c'est comme ça. Ok, c'est voilà. Super. Alors, qu'est-ce que Sandia nous réserve bientôt comme bombe musicale, hein? Oui, présentement, je suis en studio, mais je ne donnerai pas le nom de mon single et je ne vous dirai pas avec qui je suis en feat. Mmh. Mais vous allez le savoir très bientôt. Ouais. Si, oui, si. Il y a un tour d'un sorcier. Bon, voilà le titre du morceau. Parle-moi les serrer, le truc là, sur mon son. Il n'y a du rien ici. Alors, c'est super. Alors, Sandia, aujourd'hui, pour toi qui a commencé de ton Daloa natal jusqu'à Abidjan, aujourd'hui, tu es connu. Si. Voilà, quel conseil tu peux donner aux jeunes filles comme toi qui savent danser, qui ont envie de se faire connaître, qui ont envie d'être sous le feu des projecteurs? Si, je dirais simplement d'être assidu à son travail. Mm-hmm. Quand tu aimes quelque chose, il faut faire. Genre, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Quoi. Voilà, il faut bien faire ce qu'on aime. Voilà, et puis, il faut avoir la foi. C'est ça aussi. Et puis, il faut beaucoup être persévérant. C'est ça. Il ne faut pas aimer la facilité, c'est clair. Sinon, ils vont te trimballer. Et puis, c'est les mêmes demain qui vont aller parler mal de toi. D'accord. C'est le showbiz. Donc, attention. D'accord. Ça, c'est le conseil que Sandia Chouchou donne à ses jeunes sœurs pour éviter de tomber dans les pièges. Parce que dans ce milieu... Trop de choses. Trop de renards, trop de chasseurs. Trop de renards. Ouais, mesdames et messieurs, franchement, je passe un agréable moment auprès d'une agréable personne. Merci. Voilà, je ne suis pas jaloux, hein, je l'apprécie juste. Voilà. Alors, Sandia, notre entretien... Quand on te tire à sa fin, voilà, je ne veux pas te retenir longtemps. Si. Parce qu'il fallait que je te pose de vraies questions. Si. Et tout. Mm-hmm. Voilà. Donc, est-ce que toi-même, tu veux continuer à toi-même produire la musique que tu fais? Non. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui veut être ton producteur, bien qui veut sûr. Financer... S'il y a quelqu'un qui veut être mon producteur, qui veut financer, il n'y a pas de souci, je suis là. D'accord. J'ai déjà des propositions, mais après, qui sont entrées dans une histoire de sexe, donc j'ai voulu me retirer tranquille. D'accord. S'il y a de bonnes personnes qui veulent vraiment aider Sonia Chouchou, il n'y a pas de souci, je suis là. Ok, donc l'appel est lancé. Voilà, parce que c'est déjà pas facile, un artiste voilà, qui s'auto-produit. C'est pas facile, franchement. C'est déjà pas facile. Donc, s'il y a des gens qui veulent pousser mon artiste à aller plus loin, oui. Vous êtes les bienvenus. Merci. Alors,
Alors, Sandia, dis-moi, est-ce que c'est quoi ton actualité actuellement? Hormis le fait que tu sois en studio, est-ce que tu as des, est-ce que tu as une tournée de prévue? Est-ce que tu as des dates de prévue et tout ça? J'ai une tournée de prévue, mais j'attends la confirmation avant de communiquer. D'accord. Voilà. Ouais. Ouais. Ah, on est. Je te connais. Elle parle pas beaucoup. Je te connais. C'est la Diane qui est derrière la transformée. Mal. C'est comme ça. Mal. C'est comme ça. Alors, Sandia, la caméra va se braquer sur toi. Tu vas dire ton mot de fin. Et puis, le Fafa va prendre fin. Si, si. Salut. C'était votre chouchouté. N'écoutez pas les ondits. L'apparence est beaucoup trompeuse. Travaillez, soyez assidus. Aimez ce que vous faites. Soyez persévérant et croyez en vous. Voilà, c'est votre chouchouté. Mesdames et messieurs, on était avec Sandia Chouchou, artiste très confirmé de Côte d'Ivoire, qui roule les reins en renta ma cause. Voilà. On était avec elle, c'était un entretien, il fallait qu'on sache ce qui se passe, parce que c'est quelqu'un qui est difficile à attraper, en fait. Donc le dernier à réussir à attraper, voilà, on lui pose une vraie question. Oui, là. Voilà. C'est la famille en ensemble. Vous avez Soko Soko et celui qu'on appelle William Santiago au cadrage. On a le Bengui qui réalise cette émission. Vous avez monsieur qu'on appelle Yao Denis qui a la post-production. Merci et tous. Je salue aussi monsieur Zoumana Bakayoko, Maman Mona Bakayoko. Je vous fais un gros big up. C'est la famille en ensemble. Que Dieu vous bénisse.